Ben voilà, Georges, cher Georges. Il pouvait pas mieux tomber, celui-là. Bon, et toi, Boum Boum, tu fais le con que si je te le demande. Ok, Boum Boum. Ok. Georges. Alors, Georges. Je m'appelle pas Georges. Alors, pourquoi c'est marqué chez Georges? Parce que c'est le nom de l'ancien propriétaire. Puis qu'est-ce que ça peut foutre s'il s'appelle pas Georges? T'as raison, on s'en fout. Mais je sais pas, j'aimerais bien savoir comment tu t'appelles. Comme ça. Je m'appelle Fernand. Et quand on me connaît pas, on me tutoie pas. Et on dit monsieur Fernand. Voyez-vous ça? Eh bien, monsieur Fernand, on en mettrait deux bouteilles de champagne. Je suis peut-être pas poli, mais je peux payer. Paye! Non, pas deux, Georges. Six. Je paye, nom de Dieu! Dites donc, il n'est pas gentil, votre mari. Hein? Pas gentil, son mari. Vas-y, vas-y, il va me faire chier. Suffit, Boum Boum. L'addition. $98,000 balles. Quoi? T'as bien entendu? Bon, enfin, il y a le champagne. Ah ouais, mais quand même, c'est trop. Mais ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Non! Oh bon, il déchire le... La déchirée. Alors, Georges, t'as compris? Petit connard. Tu veux nous arnaquer, c'est moi le connard? On n'aime pas les jeunes. Vous refusez de payer? Madame, rendez-vous compte. 100 000 balles, c'est ma paye de 8 jours au boulot. Très bien. J'appelle les flics. Oh! Georges, dis-lui de pas faire l'enfant, hein? Mais laissez-nous tranquille. On vient de reprendre le restaurant. On débute, alors on n'a pas d'argent. Mais laissez-nous tranquille. On vient de reprendre le restaurant. On débute, alors on n'a pas d'argent. Nous aussi, on débute! On vient de commencer aussi. Si vous débarrassez pas, ça va tout casser. Hein. Tu vois, Georges, on n'est pas des rigolos. Je vois. Non, non, non. T'as rien vu, Georges. Mais tu vas voir si tu fais pas ce qu'on te dit. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Pour commencer, tu me mets ça dans un sac. C'est pour le voyage. Ensuite, Georges, tu nous balances 100 sacs. 1000 francs? Et on est quitte pour ce soir. Pour ce soir, parce qu'on passera tous les mois. Bah, fais pas la gueule, Georges. C'est pas plus terrible que le terme. Hein? De toute façon, nous, on demande 100 000. Hein. Mais te rappelle, il y en a qui demandent 10 fois plus, 10 fois plus.
En plus, ils cassent. Voilà. Après, ils ont tout cassé. C'est les mecs qui cassent, c'est les malades. Bon, alors, vous allez passer tous les mois? Oui, Georges. Mais pas un jour fixe, tu t'en doutes. Et comme les poulets peuvent pas monter la garde 30 jours par mois... Alors, il est inutile d'aller chialer. Parce que si tu portes plainte, Georges... Bon, boum,